Fabien Zermati, bonjour. Bonjour Ariane. Alors Fabien, vous êtes fondateur de Patrimoine et Solutions. Exactement. Alors qu'est-ce que vous faites ici au salon de l'immobilier ? On accompagne nos clients tout au long de notre vie. Ça fait j'ai des clients que je suis déjà depuis 20 ans. Je vois leurs enfants grandir et parfois leurs enfants peuvent devenir également mes clients. Donc vous êtes CGP, conseiller en gestion de patrimoine ? Exactement. Et est-ce que l'immobilier, c'est intéressant aujourd'hui ? L'immobilier, aujourd'hui comme hier, c'est toujours une valeur refuge. Oui, c'est intéressant. Mais c'est une valeur refuge chère aujourd'hui, non ? C'est une valeur refuge chère aujourd'hui, certes, mais qui est soutenue par des taux d'intérêt qui sont particulièrement faibles. Donc qui permet de rattraper en quelque sorte la cherté du bien. Alors après, ça dépend, il y a des lieux pour investir, il y a des dispositifs qui permettent de défiscaliser et finalement de baisser le coût de l'acquisition d'un immobilier. Alors on n'a pas le temps malheureusement de passer tous les dispositifs en revue, non. Mais s'il y en avait un que vous deviez mettre en avant. Alors, s'il y a un dispositif que je devais mettre en avant aujourd'hui, moi je parlerais de la nue propriété. Pourquoi ? Parce que c'est un dispositif qui va, ce qu'on appelle la nue propriété, le démembrement de propriété. Alors expliquez-nous, le démembrement de propriété, c'est quoi ? En fait, quand vous procédez à l'acquisition d'un bien immobilier en pleine propriété, vous avez, sans le savoir ou en le sachant, d'une part la nue propriété et d'autre part l'usufruit du bien. Donc vous êtes la propriété des murs, dira-t-on pour simplifier, et l'usage du bien. Eh bien, il y a un dispositif qui s'appelle le démembrement de propriété, qui va vous permettre d'acquérir uniquement la nue propriété du bien pendant un certain laps de temps, qui est compris entre 15 et 20 ans généralement. Donc c'est un dispositif qui va vous permettre un certain nombre d'avantages. D'abord, vous allez pouvoir investir, et nos clients peuvent investir, en supprimant tout aléa locatif, puisqu'on sait que dans l'immobilier, souvent, un frein, ça peut être la gestion du bien qui peut être compliqué, l'entretien du bien qui va pouvoir être compliqué. Ici, vous n'avez aucun aléa locatif, excusez-moi, puisque vous n'êtes que nu propriétaire, et il y a un usufruitier qui, lui, sera un institutionnel qui va prendre en gestion le bien pendant la période indiquée, qui sera comprise entre 15 et 20 ans, et qui paiera la taxe foncière, qui paiera l'entretien du bien immobilier, les charges de copropriété, donc le nu propriétaire. Et qui occupera le bien. Qui occupera le bien. Alors, ce n'est pas lui qui va occuper le bien, c'est un institutionnel qui va louer les biens. Donc, le nu propriétaire. Le nu propriétaire, oui. Quels sont ses avantages fiscaux ? Parce que c'est là où on va arriver. Alors, le nu propriétaire, ses avantages fiscaux, c'est que, en fait, premier avantage, il ne va pas avoir d'impôt à payer sur les revenus de l'opération puisqu'il ne va pas percevoir de revenus pendant la période indiquée. Alors, il ne va pas percevoir de revenus, vous allez me dire quel avantage ? L'avantage, c'est qu'il va bénéficier de ce qu'on appelle maladroitement une décote sur le prix de l'immobilier. Mettons que le prix de la pleine propriété soit égal à 100, eh bien lui, il va payer 60. Alors, ça peut être 55, je vous donne d'une moyenne, ça va dépendre du lieu d'acquisition du bien et de la durée du démembrement temporaire. J'achète quelque chose à 60 alors que ça vaut 100. Alors que ça vaut 100, en fait, c'est comme si... Dans X années, je vous interromps une seconde, c'est comme si vous perceviez 15 ans de loyer ou 20 ans de loyer sous forme de réduction de prix au départ. C'est intéressant de le dire comme ça. Je pense intéressant de le dire comme ça. On n'entend pas beaucoup expliquer comme ça le démembrement. Voilà. Donc, c'est ça le dispositif. Vous percevez vos loyers sous forme de réduction de prix au départ. L'avantage, c'est que vous n'avez pas été imposé sur ces loyers puisque vous n'en percevez plus après. Donc, vous bénéficiez d'un prix d'acquisition qui est particulièrement intéressant et en supprimant tout l'aléa, comme je vous ai dit. Et après, on prie pour qu'à la sortie, la plus-value... Alors, à la sortie, il y a une plus-value qui est la plus-value immobilière classique. Mais... on opère ce qu'on appelle un remembrement automatique. Donc, vous étiez nu propriétaire et vous devenez à nouveau plein propriétaire de votre bien immobilier. Donc, c'est ça le dispositif. C'est ça le dispositif. Donc, même s'il n'y avait pas de plus-value immobilière, ce que vous avez payé 60 vaut 100, rappelons-nous. Donc, vous allez récupérer un capital de 100 majoré des plus-values immobilières. Bon, mais ça a l'air magique, votre système. C'est un système qui est très intéressant parce qu'il peut intéresser des particuliers sur toute la vie, on va dire sur toute leur vie. Les jeunes
parce qu'ils sont jeunes, qu'ils n'ont pas nécessairement envie de s'occuper d'un bien et qu'ils veulent se constituer un patrimoine immobilier à bon compte. Les gens plus âgés, parce que ça peut leur servir de revenu pour la retraite complémentaire au moment du remembrement. Les gens plus fortunés, parce que ça n'est pas soumis à l'IFI. Et les gens qui ont des revenus fonciers, parce que les intérêts, si vous faites ça en empruntant, peuvent être défiscalisables des revenus fonciers déjà existants. Donc, tout au long de la vie des personnes, ça peut être un dispositif qui peut intéresser l'un ou l'autre pour telle ou telle raison, voire pour toutes les raisons cumulées. Et alors, le ticket d'entrée, il est de combien ? Le ticket d'entrée, bien entendu, tout dépend des lieux d'acquisition. On va dire que globalement, pour avoir quelque chose d'un peu sérieux, ça commence à partir de 100 000. Et après, il n'y a pas de limite. Il est bien évident que si vous achetez un T4 à Paris, on peut être à des prix d'acquisition de 600 000 à 700 000 euros. Donc 100 000 euros et on peut financer ça. Ça se finance à crédit, l'achat en nue propriété ou pas ? Ça se finance à crédit, comme un immobilier classique, dira-t-on. Encore faut-il avoir évidemment la capacité d'endettement, mais à crédit ou en cash. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes. Nous faisons également des investissements financiers, notamment en assurance vie. Il y a une baisse des fonds en euros de l'assurance vie. Il y a une incertitude géopolitique qui fait que les actions sont un peu, disons, volatiles. Donc, il y a aussi des gens qui arbitrent, bien entendu, leur cash pour investir sur de la nue propriété sans passer par l'emprunt. Et ça se fait en emprunt. À ce moment-là, on défiscalise les intérêts d'emprunt des revenus fonciers qu'on a par ailleurs. Ou ça se fait en cash, c'est comme on veut. Mais alors, pour que le système fonctionne, il faut que de l'autre côté, il y ait un usufruitier. Alors, il y a un usufruitier, bien entendu, et ce sont des opérations sur lesquelles l'usufruitier est prévu au départ. L'usufruitier, c'est ce qu'on appelle en général un bailleur institutionnel. Donc, ce sont des grosses sociétés, ça peut être, je peux citer des exemples. Bien sûr. Des gens comme la Caisse des dépôts, par exemple. Qui vont louer, qui plus est, le bien immobilier à des tarifs plutôt avantageux pour loger une clientèle en centre-ville, dans des beaux appartements, on va dire de classe moyenne. Ça peut être des infirmiers, ça peut être des professeurs ou des gens qui n'auraient peut-être pas nécessairement les moyens de se loger dans des beaux appartements de centre-ville. Donc il n'y a pas de problème de contrepartie parce que c'est prévu à l'origine. C'est prévu à l'origine, tout à fait. Vous n'avez ni problématique de contrepartie. La contrepartie, c'est que vous ne percevez pas de loyer pendant 15 ans. Donc, il faut être prêt à immobiliser du cash. Il faut être prêt à immobiliser du cash, mais il peut toujours y avoir des accidents dans la vie ou sans accident, des changements d'orientation. Alors, qu'est-ce qui se passe si au bout de 5 ans, j'ai besoin d'argent ? Eh bien, vous avez le droit de vendre. Vous n'êtes pas bloqué. À ce moment-là, plus votre partie nue propriété, plus... moins il y a de temps restant à courir avant l'issue du démembrement, plus elle a de la valeur, cette nue propriété. Donc, mettons que sur 20 ans, pour faire simple, vous ayez bénéficié d'une décote de 40%. Si vous revendez 10 ans plus tard, la décote pour le nouvel acquéreur n'est que de 20%. Donc vous avez gagné 20%. C'est du prorata temporis en quelque sorte. Mais finalement, à vous écouter, qu'on entend 100 000 euros, nue propriété 20 ans, c'est un bon produit pour des jeunes qui se lancent dans la vie active. Exactement, ça peut être un bon produit pour des jeunes qui... De constitution d'abord personnelle pour plus tard. De constitution de patrimoine, parce que d'ores et déjà, pour 100 000 euros, ils ont un appartement qui en coûte 150, voire 200. Qui pourront éventuellement habiter ou... Qui pourraient éventuellement habiter par la suite, hein, nous par sommes la suite, d'accord. On est parce bien qu'ils n'en ont pas l'usage pendant ce laps de temps. Oui, ils pourront l'habiter, tout à fait, le vendre ou continuer à le louer avec un bail tout à fait classique, loi 89. Donc, c'est un dispositif qui présente beaucoup d'avantages parce qu'il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de contraintes de gestion souvent. Donc, tous les problèmes de loyers impayés, d'assurance à prendre, de gestion locative, tout ça, vous n'avez pas. C'est l'usufruitier qui s'en occupe. De même que l'entretien, et qui doit vous rendre un bien en parfait état d'entretien à l'issue, c'est contractuel, à l'issue de la période de démembrement. Bon, alors je suis OK, je signe pour un démembrement de propriété. À quoi il faut faire attention ? S'il y a un truc à vérifier, c'est quoi ? Avant de signer. Alors... C'est l'avantage de passer par des cabinets comme le nôtre, c'est que nous, on travaille avec tous les opérateurs. Qu'il s'agisse de nue propriété ou d'autres dispositifs, ça peut être du loueur en meublé, ça peut être du Malraux, du monument historique, du Pinel, tous les dispositifs. C'est que nous ne sommes pas liés capitalistiquement avec les promoteurs, avec les opérateurs, donc on va pouvoir vous proposer les biens qui nous sembleront être les plus intéressants sur le marché. Donc,
En une propriété, il faut faire attention à quoi ? Comme dans tout investissement immobilier, j'allais dire à l'emplacement, vous connaissez l'adage. Donc l'emplacement. Donc évidemment, il va falloir regarder la qualité du promoteur, la qualité du bailleur institutionnel, mais ce sont de gros bailleurs en général, hein. Et l'emplacement. Donc évidemment, le prix. Évidemment. Évidemment. Et la qualité du conseil, et je crois qu'on est là pour vous aider à vous retrouver dans ce maquis de dispositif. C'est notre rôle avec des simulations financières et de vérifier que c'est bien le dispositif qui est adapté à vos objectifs. Merci beaucoup Fabien. Je vous remercie Ariane.